Bonjour à tous, c'est Sepa45, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur comment organiser sa team BF3 en mode ruée. Alors durant cette vidéo, vous pourrez apercevoir différents tutos sur par exemple les classes à choisir, les armes à choisir, les équipements, les spécialisations des squads à privilégier, etc. etc. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si ce concept vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Allez, c'est parti. Grand 1, les maps sans véhicule. Les maps que je dis maps sans véhicule sont des maps étroites. Par exemple, dans Opération Métro et dans Grand Bazar, avec toutes ces petites ruelles et tous ces couloirs très étroits, ceci facilite le corps à corps. Donc, l'ingénieur qui lui est là pour détruire des véhicules ne servirait à rien, plus le sniper qui est là pour marquer les cibles de loin ne servirait également à rien. C'est pour cela qu'il vaut mieux faciliter le médecin et le support. Alors, pourquoi trois médecins et pourquoi un support? Nous allons déjà commencer par expliquer pourquoi un support. Un support est là pour donner des munitions à ses coéquipiers. Ça, nous le savons tous. Pourquoi mettre deux supports, donc deux fois plus de munitions, alors que un support peut se donner des munitions en illimité? Ceci serait vraiment du gâchis et serait vraiment une classe gâchée. C'est pour cela qu'il faut mieux mettre un seul support qui, lui, est là pour donner des munitions en illimité à tous ses coéquipiers. Et ensuite, pourquoi trois médecins? Bah, ça se complète avec le support. Si vous mettez un support, vous n'allez pas mettre trois ingénieurs, donc forcément trois médecins. Comme ça, si deux médecins meurent, il y aura toujours un troisième pour pouvoir les réanimer. Les classes médecins et support. Pour ce qui est de la classe médecin, tout d'abord, l'arme. Vous choisissez l'arme que vous voulez. Alors, de préférence, une arme d'assaut, donc par exemple la M16A3, ou la EK971, ou la K74M, n'importe l'arme qui vous va le mieux. Ensuite, en premier accessoire, vous mettez un accessoire qui vous plaît aussi, que ce soit un viseur Cobra, un viseur point rouge, un viseur holographique, un viseur 3,4, enfin on s'en fiche, le viseur qui vous convient le mieux. Ensuite, en deuxième accessoire, vous avez le choix entre bipied ou garde-main. Je vous conseille garde-main car garde-main est beaucoup plus efficace que bipied. J'en vois pas beaucoup qui jouent avec des bipieds sur des armes d'assaut. Et en troisième accessoire, sur petite map, il vaut mieux privilégier le silencieux qui vous rendra plus furtif et le viseur laser, enfin et ou plutôt ou le viseur laser qui rend la précision au corps à corps beaucoup plus efficace et puissant. Et enfin, en ce qui concerne les accessoires, privilégiez les défibrillateurs et le Medikit pour donner des soins et pour réanimer. Passons maintenant à la classe support. Alors, le support, comme je l'avais dit avant, il est là pour distribuer des munitions à ses coéquipiers et en même temps de couvrir ses coéquipiers. Car oui, le support est aussi là pour faire des tirs de suppression vu que normalement, généralement, il a une grosse arme entre les mains avec beaucoup de munitions, donc il peut vraiment tirer à un endroit pour faire des tirs de suppression et permettre à ses coéquipiers de contourner les ennemis et donc de les rendre un peu discrets. Alors, ce que je peux vous proposer avant tout en termes de soutien, c'est vraiment de prendre une grosse péteuse. Comme par exemple la M249. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre sur la M249 en termes d'accessoires? Alors, en accessoire numéro 1, je vous conseille de mettre un viseur. Alors, que ce soit un viseur point rouge, un viseur holographique ou un viseur 3,4, c'est à vous de voir. C'est vous qui décidez en termes de viseur. Ensuite, en deuxième accessoire, il y a soit garde-main, soit bipied. Alors moi, je peux vous conseiller bipied. Alors pourquoi bipied? Tout simplement parce que quand vous êtes sur une surface plane, vous vous allongez, le soldat, lui, va sortir ses bipieds et va se positionner. Et comme ça, vous pourrez bombarder une zone sans que l'arme ne bouge une seule fois. Et enfin, en troisième accessoire, je vous propose de mettre munitions pour avoir beaucoup plus de munitions dans la M249. Et normalement, avec un chargeur de M249 plus munitions, je pense qu'on peut tuer facilement 9-10 ennemis, voire plus, sans une recharger une seule fois. Donc généralement, dans la partie, si la partie a environ une demi-heure, vous devez recharger aller peut-être 4-5 fois dans la partie. C'est vraiment pas énorme. Et en ce qui concerne les accessoires, alors vous avez le choix entre soit de mettre du C4, soit de mettre mortier, ou soit de mettre Claymore. Alors là, c'est votre choix. Soit, dans les petites maps, généralement, il vaut mieux mettre soit du C4, soit des Claymore. Moi, je vous conseillerais de mettre des Claymore.
Pourquoi? Parce que déjà c'est beaucoup plus discret que le C4, parce que si vous posez du C4 vers les bombes, attention, pas sur la bombe, il faut pas le faire, ça c'est vraiment très 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 désagréable. Si vous mettez du C4 vers les bombes, ça se voit directement, un gros truc noir collé au sol, bon, ça se voit. Alors qu'une clé mort, vous la mettez dans un coin de mur, ça ne se voit absolument pas et ça vous fait un kill gratuit. Voilà en ce qui concerne la classe support. Grand 2, les maps avec véhicules. Parlons des maps avec véhicules. Qui dit map avec véhicules dit forcément ingénieur. Alors je vous conseille de mettre deux ingénieurs dans les squads. Alors pourquoi deux ingénieurs? C'est tout simplement pour détruire les chars, les BTB et les jeeps beaucoup plus rapidement. Car oui, détruire un char avec un seul ingénieur, c'est vrai que ça prend énormément de temps et ça permet aux soldats de se faire repérer. Alors que si vous êtes deux à tirer sur le char, il ne saura même pas où mettre la tête, donc il sera complètement déstabilisé. Il y en a un qui tire à l'avant, ou un qui tire sur le côté, puis un qui tire à l'arrière. Donc là, le char va être complètement déstabilisé et il ne pourra rien faire et vous aurez détruit le char extrêmement rapidement. Donc voilà, vaut mieux privilégier deux ingénieurs. Ensuite, il vous faut absolument un médecin, car oui, un médecin dans une escouade, c'est très très important. Une escouade sans médecin, c'est pas une escouade. Il faut toujours quelqu'un pour réanimer ses coéquipiers qui, pourquoi pas, pendant ce temps-là, étaient en train de détruire le char et qui se sont fait abattre. Donc voilà, il faut toujours un médecin. Et ensuite, le quatrième soldat, il faut un éclaireur. Alors pourquoi un éclaireur? Lui, il va se mettre à l'écart de ses coéquipiers, en hauteur. Déjà, ça serait bien. Et il pourra spoquer les chars qui arrivent de loin. Comme ça, les ingénieurs vont pouvoir se mettre en position beaucoup plus rapidement et pas être surpris même en sortant d'un bâtiment et se retrouver face à un char. Là, le sniper l'aura déjà spoqué. Alors spoqué, ça veut dire aperçu, hein, c'est-à-dire vous appuyez sur la touche select, et ce qui vous permet d'afficher les chars et tout ce qui est véhicule sur la map. Et lui, il va aussi vous permettre de mettre des balises, pourquoi pas des balises dans un coin stratégique, dans un bâtiment, comme ça, au lieu de, si tout le monde est mort, vous avez juste à respawn sur la balise et gagner du temps, parce que c'est vrai que respawner au déploiement et refaire tout à pied, c'est assez long. Alors là, une balise en plein milieu de la map, impeccable, bien cachée, vous avez juste à respawner dessus, vous gagnez des secondes extrêmement précieuses. De plus, le sniper, lui, peut abattre des ennemis qui se trouvent vraiment de très 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 loin, on voit juste la tête derrière un rocher, donc c'est vraiment très très utile. Voilà pour ce qui est des grandes maps. Voyons maintenant les classes. Les classes médecin, ingénieur et éclaireur. Pour ce qui est de la classe médecin, c'est exactement la même que sur petite map, à l'exception d'une petite chose, c'est en troisième accessoire, vous mettez pas silencieux ni viseur laser, mais vous pouvez mettre par exemple canon lourd qui lui augmente la précision, donc pour les tirs de loin c'est plutôt pas mal. Ah, la classe ingénieur. Alors pour cette classe ingénieur, je vous propose déjà en arme principale l'arme que vous voulez, tout simplement l'arme avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Par exemple, un exemple au hasard, la G36C, qui est entre parenthèses une très bonne arme d'ingénieur. Donc en premier accessoire, et ben c'est comme toutes les autres classes, vous mettez ce que vous voulez, donc le viseur que vous voulez. Donc par exemple, je sais pas moi, un petit viseur point rouge, pourquoi pas, un petit viseur point rouge. Ensuite, en second accessoire, je vous conseille de mettre garde-main au lieu de bipied, parce que bipied ça sert à rien sur les cases ingénieurs, donc garde-main c'est mieux. Et en troisième accessoire, alors qu'est-ce que je pourrais vous proposer en troisième accessoire? Moi, je mettrais canon lourd pour augmenter la précision des tirs de loin. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les accessoires, bah là il n'y a pas photo. Forcément, le SMO ou le RPG, ça dépend de quel côté, soit russe, soit américain, vous êtes. Et enfin, le chalumeau pour enfin réparer tout ce qui est véhicule. Donc Jeep, tank, hélico, etc., etc. Et enfin, finissons avec la classe éclaireur. Alors lui, l'éclaireur est très très important. Comme j'ai dit avant, il se met à l'écart de ses coéquipiers en hauteur et ça lui permet de spoquer les ennemis, de spoquer les véhicules de très très loin. Alors, pour ce qui est de la classe, je vous propose déjà de mettre un sniper. Par exemple, le SV98 qui est un très très bon sniper. Ensuite, en accessoire, alors moi je m'y connais pas très bien en accessoire vu que j'utilise très 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 peu l'éclaireur. Une lunette x12, un bipied pour pouvoir être le plus stable possible. Et pourquoi pas un silencieux, hein, si vous voulez être vraiment très discret dans les montagnes. Ensuite, en équipement, je vous conseille de mettre une balise radio, déjà comme je vous l'avais expliqué, pour le mettre dans un bâtiment pour pouvoir
que votre escouade respawn sur cette balise et évite de refaire tout à pied du déploiement jusqu'à leur zone. Et en équipement secondaire, pourquoi pas le MAV micro drone qui permet comment on dit, de contrôler un drone de reconnaissance pour pouvoir spooker les ennemis. Donc ça, c'est un petit drone qui se conduit tout seul. Voilà pour ce qui est de la classe éclaireur. Grand 3, les spécialisations des squads. Maintenant, nous allons parler des spécialisations des squads. Alors, qu'est-ce que c'est que les spécialisations des squads? C'est tout simplement comme des atouts. Quand un soldat choisit une spécialisation, elle est valable pour toutes les squads. C'est pour ça que quand vous êtes sur petite map, je vous conseille de mettre sprint et squad. Donc, cet équipement de transport ultra léger réduit la fatigue du soldat et lui permet de courir plus vite. Cette spécialisation s'applique forcément à toutes les squads entières. Ensuite, je vous conseille de mettre munitions et squad. Donc, ces porte-chargeurs tactiles molles supplémentaires permettent au soldat de transporter davantage de munitions pour son arme principale ou son arme de poing. Ensuite, je vous conseille de mettre par éclat et squad. Donc, ceci, réduit les dégâts infligés par l'explosif et les éclats d'obus tout en fournissant une protection supplémentaire sur les parties sensibles du corps. Et enfin, je vous conseille de mettre grenade. Donc ça va être en fait des pochettes à grenades molles supplémentaires permettent aux soldats de transporter davantage de grenades à main et de grenades 40 mm, donc deux grenades au lieu d'une. Pour ce qui est des grandes maps, c'est exactement les mêmes spécialisations que sur les petites maps, excepté une. J'ai remplacé par éclat par explosif. Donc explosif, en fait, ça augmente la quantité totale de munitions explosives, c'est-à-dire que vous avez plus de balles dans le RPG pour les ingénieurs. Donc ça peut vraiment les aider énormément. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses grâce à moi. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et de mettre la vidéo dans vos favoris. Ça m'a pris énormément de temps pour la faire. J'espère pouvoir être récompensé. Allez, salut à tous et à la prochaine vidéo. Bye!